Bon Dieu. Alors, Je m'appelle Yasumichi Morita. Je suis décorateur d'intérieur. S'il vous plaît. Ça ne fait que 6 mois environ que j'habite ici. Avant, j'habitais à 5 minutes à pied, et par hasard, une fois, alors que je regardais la télé, ils ont montré cet appartement. J'ai appelé et je l'ai obtenu. Tout de suite après l'entrée, c'est la chambre à coucher. Si vous voulez savoir pourquoi la chambre est au rez-de-chaussée, c'est parce que tous les jours, je bois du champagne et des vins que j'aime. Et une fois saoul, je ne peux plus monter au premier, alors c'est pour ça que j'ai fait installer la chambre au rez-de-chaussée. J'aime beaucoup la photographie et l'art. J'ai décoré en mélangeant des photos que j'aime bien d'artistes connus et d'autres moins connus. Mais en général, il s'agit de photographies érotiques. J'aime beaucoup fumer. C'est pour ça que j'aime cette photo. Il y en a une de Jean-Louis Sif, celle-ci, avec seulement des jambes. J'aime les photos très sexy. Dans mon travail sur les intérieurs, en fait, il y a deux types de lieux. Il y a le travail sur les résidences, les maisons, les habitats privés. Et puis, il y a les endroits publics, les bars, les restaurants, les hôtels. Mais pour les restaurants, le principal, c'est la cuisine, puis le service, et à la fin, seulement la décoration. La décoration, ce n'est pas ce qui vient en premier. En fait, c'est le troisième point. Ici, c'est la cuisine. C'est une toute petite cuisine, mais comme je suis célibataire, cette taille est tout à fait suffisante. Et je ne fais presque jamais la cuisine. En fait, j'aime cuisiner, mais quand j'ai emménagé ici, il n'y avait pas de place pour mettre une vraie cuisine. Ici, je bois souvent des verres, mais en général, les gens sont plutôt dans le salon en haut. J'ai collé des Swarovski dans l'escalier. Ici, c'est le salon. Quand j'ai réfléchi à la décoration que j'allais faire, j'ai surtout pensé à ce genre de photos.
En ce qui concerne ce quartier, c'est très pratique pour moi. J'ai beaucoup de travail à l'étranger et d'ici, l'aéroport n'est vraiment pas loin, un quart d'heure environ en taxi. Ensuite, jusqu'à Ginza, c'est 10 minutes. Jusqu'à Nishiazabu et Roppongi, c'est aussi environ un quart d'heure. Même dans Tokyo, il n'y a pas d'autre endroit comme ça. En fait, j'adore la nature, l'eau, la verdure, mais j'aime l'eau tout particulièrement. Ce genre de paysage, au Japon, c'est très rare. En particulier à Tokyo, il n'y a presque pas d'endroit comme ça. Quand j'ai trouvé ici, j'ai tout de suite pensé à y habiter. La présence de l'eau apaise considérablement. Comme la mer n'est vraiment pas loin et qu'il y a du mouvement de l'eau dans la baie, cela influe fortement sur ma créativité. Et puis, quand les bateaux passent, ça fait des ondes, des rides dans l'eau et c'est très beau. Pour moi, que ce soit professionnel ou privé, je pense que le plus important dans le design, c'est l'éclairage. C'est tellement important que j'ai fait faire des lampes originales. Ça, c'est un artiste japonais, Otani Ryuji, un grand artiste japonais, dont j'ai utilisé le graphisme et que j'ai collé sur un abat-jour pour créer une lampe originale. C'est une de ses œuvres, mais il m'en a fait cadeau. C'est tellement grand que si on le met au plafond, on se cogne la tête. Alors j'ai fait construire ce cadre pour le mettre à la maison. Pour moi, que ce soit dans une gare, une station de métro, un bar ou un restaurant, l'éclairage est le plus important. C'est ce qui rend les gens beaux. Et c'est aussi ce qui les fait revenir. Donc l'éclairage est une des clés du succès dans le design. Les arts visuels et l'éclairage sont très importants pour l'humeur. Ce que je préfère dans cette pièce, c'est cette table et le grand chandelier. Et il y a ces petites lampes aussi. Elles sont faites sur mesure. J'adore l'art, la sculpture et l'éclairage. Au début, quand j'ai emménagé ici, il n'y avait rien. J'ai dû mettre moi-même les étagères, installer la lumière, et je me suis demandé s'il ne manquait rien. En effet, il n'y avait pas d'éclairage ni d'étagère pour y mettre mes livres d'art. Quand je réfléchis sur des créations, personnellement, je ne regarde pas trop de livres sur l'architecture. J'aime plutôt regarder des livres de mode, de photos, et en regardant ces choses, des idées me viennent, des images se développent. L'art et la mode sont très importants dans mon travail. Par exemple, d'habitude, on met une image au mur. Mais si on met une œuvre sur la table, à tout moment, on peut la consulter. Ça, c'est un panda, moitié panda et moitié cerf. Personnellement, je ne suis pas allé dans une école de décoration d'intérieur.
Au départ, j'adore la mode. Et parce que j'adore la mode, j'ai beaucoup de magazines, Elle, Vogue, Figaro, Lucir. En quelque sorte, j'ai étudié en regardant ces magazines. La mode, l'air du temps, les tendances se répercutent dans mon style. Je crois que je travaillerai toujours comme ça. Parmi mes amis, il y a beaucoup d'artistes. Donc j'achète beaucoup de leurs œuvres. Ça, c'est un travail de Nakayama Daisuke. Je l'ai acheté il y a quelque temps à une vente de charité. Vous connaissez le champagne français Veuve Clicquot ? Cette œuvre est inspirée de son image. Au-dessus de la veuve, il y a une étoile. Ça aussi, c'est mon ami qui l'a peint. Ça, c'est un travail de Chio Aoshima. Elle est japonaise. Vous devez connaître Murakami. Chio est son meilleur disciple. Maintenant, elle est aussi connue que lui. C'est très érotique, n'est-ce pas? C'est pas seulement mignon, mais aussi érotique. Cette image est typiquement japonaise, mais tout en étant mignonne, elle est très osée. Ça a l'air très gentillet, mais en regardant bien, c'est très érotique. Je l'adore. En fait, j'adore les femmes, donc je collectionne toutes les choses avec des femmes ici. Dès que j'ai un peu de temps à moi, je vais à Bali. Je vais dans des spas. En fait, j'adore la verdure, l'eau et la chaleur. C'est pour ça, même si c'est un petit appartement, le fait de pouvoir voir la baie, encore plus que le design de cette pièce, de pouvoir regarder l'eau, c'est ça qui est important. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Yoshiharu Tsukamoto, je suis architecte. Entrez, entrez. Ici, c'est la maison et atelier Bawal. Au lieu d'avoir pièces séparées, pièces fermées, on a produit plusieurs scènes d'occupation dans la maison. Week-end, tous les bâtiments deviennent la maison. C'est la bibliothèque. J'ai ramené ça de maison franco-japonaise à Tokyo, quand c'était détruit. Et c'était dans la salle de projection de cinéma. On a utilisé pour pour WC. Ouais, WC dedans. Un des caractères de ce bâtiment, c'est ces grands escaliers qui connectent différents niveaux. Thank you.
relation latérale entre deux niveaux, différents niveaux. Ça, c'est aussi le caractère de ce bâtiment. Il n'y a pas de séparation forte. C'est toujours articulé et doucement, et c'est avec contact visuel et contact d'air, contact de son. Au lieu de décoration, on peut jouer avec lumière et l'air fraîche et mouvement de l'air dans le bâtiment, comme ça. Pour moi, c'est plus important pour faire architecture et pour faire espace habitable. Le palier est toujours un peu plus grand que normal, donc on peut déposer des maquettes comme ça. Maintenant, c'est pas bien exposé, mais ça peut être une galerie, ça peut être salle de présentation. Pour la construction, ça faisait 6 mois, mais pour faire le design, on a travaillé pendant un an et demi. Ici, c'est salle à manger et cuisine. C'est toujours dans la salle d'escalier. Ici, c'est salle de séjour. Mais en fait, c'est l'espace mélangé entre agence, à l'atelier et maison. On a acheté ça à Costa Rica dans le marché. Et c'est le tabouret pour des gens qui travaillent là. Donc là, on assoit comme ça et on vend des choses dans le marché. Ça, c'est aussi bien. Ça s'appelle le himo isu. Himo, c'est le corde, comme ça. Et c'était désigné juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et par un designer japonais qui s'appelle le Riki Watanabe. Donc ici, c'est le terrasse nord. C'est quand même dans le territoire de notre maison, mais en même temps, c'est partie de l'espace urbain de Tokyo. À partir d'ici, ça devient un peu plus privé. Ici, c'est la salle de TV et salle de musique. Donc, il n'y a pas de meubles. Et on s'assoit comme ça. Et on s'assoit comme ça. Ou on s'assoit comme... Ça, c'est comme un stade, un petit stade. Donc on peut regarder la Coupe du Monde à TV. Oh, c'est une petite salle, mais j'aimerais bien donner des authenticité. Ici, c'est petit bureau. Ici, on peut lire. Et aussi, on a toujours la vue sur le radar. Radar. Ça, c'est la chambre, un peu comme grenier. Et avec une grande vue comme Montmartre. Ici, c'est bien séparé de l'autre partie du bâtiment. C'est la seule salle qui est complètement fermée. C'est silence. Et petite fenêtre, comme ça. On a WC et salle de bain. Voilà. Avec skylight. Donc c'est presque dehors. (Musique)
C'est, ça vient de Tchécoslovaquie. C'est la salle dernière. C'est trois jardins. Un peu de champs de légumes. Et on a des bâtiments un peu monumentaux comme le Pongi Hills là. Et Akasaka Prince et New Otani là. Et Shinjuku Metropolitan Government bâtiment est là. On était, on a un feu d'artifice là. C'est grand comme ça. Et on a beaucoup de monde sur le toit ici. Oui, c'était comme ça, ouais. Oh là là. C'est plein de gens comme ça. C'était amusant parce que chaque toit, trois jardins de ce quartier est occupé par des gens. Ouais. Donc on peut dire ah bonjour comme ça. Ouais. C'est le seul jour qu'on peut faire ça. Ce quartier, et on a beaucoup de temples et cimetières et donc c'est assez préservé comme structure. Oui, c'est assez fort contre l'invasion capitalistique. Parce qu'aujourd'hui, Tokyo, on a beaucoup de développements très grands qui rasent l'histoire de la ville et qui changent complètement la structure. Hi. Bienvenue. Konnichiwa. Bonjour, je vous en prie. Je m'appelle Mariko Nukaga. J'ai une galerie à Tokyo. Ici, c'est le quartier Azabu, dans l'arrondissement de Minato. Au début, on vivait loin. Il a fallu qu'on se rapproche parce que l'on était très occupé. Ici, c'est un salon. Quand j'ai des invités, nous nous asseyons ici dans un premier temps. Quand je fais entrer des invités par ici, ils voient l'étagère de face. C'est l'idée de l'architecte. On dirait un peu que ça flotte dans l'espace. C'est une étagère que j'aime beaucoup. À chaque fois que j'invite des gens, je réfléchis à la manière de décorer la table. Aujourd'hui, en particulier, pour coordonner avec les peintures, j'ai décoré avec des anciennes porcelaines de Koimari.
Je n'aime pas trop les nappes normales. En fait, j'ai fait faire avec du tissu pour rideau. Ça, c'est un tissu normal. Mais pour accentuer, je me suis dit que ça serait intéressant. Au début, on peut penser que le contraste de ce meuble est un peu fort. Dans cet espace, il y a du blanc, il y a du noir et du blanc mélangés. J'aime bien les choses chères, mais c'est difficile de tout avoir. C'est très important pour moi de mélanger les couleurs et les formes. Au début, j'ai beaucoup hésité sur quel genre de table mettre ici. Quand il y a des fauteuils bas, souvent, il y a une table basse. Mais quand on sert le thé, ce n'est pas pratique. Je l'ai donc fait faire plus haute. Au-dessus, il y a une galerie. Ici, comme je suis galeriste, ceci est un endroit où je peux montrer quelques tableaux à des invités. C'est la porte de la galerie. Ça a été difficile de décider quelle porte mettre. Par hasard, notre architecte est allé en France et a trouvé une très belle porte. Nous l'avons copiée. C'est une porte qui était sur la maison de Carré, un édifice du 1er siècle environ. Fondamentalement, je pense que j'aime la stimulation des grandes villes. Mais en particulier, en habitant ici à Azabu, même dans une grande ville, c'est plutôt calme. Je m'adapte facilement. Je pense que je peux me recréer un espace dans un nouvel endroit. Mais si ce n'était pas Tokyo, mais Paris ou Londres, j'aimerais bien habiter dans une ville où il y a beaucoup d'histoire. J'aime le Japon, mais ce qui est dommage, c'est que les bâtiments ne sont pas vraiment beaux. Les peintures qui sont actuellement ici, comme précédemment dans le salon, ce sont des peintures du petit frère de mon mari. Différemment des peintures qui sont au premier, ce sont des fresques. Ce sont des fleurs qui sont peintes, des fleurs d'Okinawa. J'adore les fleurs. À la galerie aussi, il y a toujours des arrangements de fleurs fraîches. Peut-être que j'aimais déjà faire des arrangements quand j'étais petite. Mais maintenant, je demande à quelqu'un de les faire. Il ne faut pas que les fleurs n'aillent pas avec le mobilier et le reste. Ceci est très rare. On l'a déterré en Italie, dans la région de Pompéi. C'est une canalisation. On l'utilise comme une table. Ce que vous voyez dehors date peut-être de la Renaissance, d'un édifice italien. C'était fixé à la façade. Ce canapé est en vison. Je l'ai eu sur un coup de chance.
Une personne l'avait commandé et l'a fait faire en Europe, mais il n'a pas été utilisé pendant un long moment. Nous l'avons donc acheté et quand on l'a placé ici, c'est allé impeccablement. Ces fauteuils sont tellement importants que pour trouver une table qui aille avec, ça a été très difficile. C'est en lac. La partie douce et la partie rugueuse sont toutes les deux en lac et imbriquées l'une dans l'autre. Les pièces sont en marbre dur, et ici en aluminium. C'est donc très lourd, plus de 200 kilos. Il y a quatre saisons au Japon, donc le paysage environnant change. Estival en été, automnal en automne. Nous pensons que c'est important de faire varier notre jardin. Nous avons un jardinier. Et quand il nous fait le jardin, nous sommes tellement contents qu'on a envie de le voir tous les jours. En fonction des paysages que l'on voit, le moral est meilleur. On est apaisé. Je pense que c'est important. Nous avons une pièce de cérémonie du thé. Et je voulais que depuis la fenêtre de cette pièce, nous ayons une belle vue. Avant d'entrer dans la salle, il y a un petit espace pour attendre. On s'assoit ici et on apprécie les fleurs qui sont là. Ici, c'est la salle de cérémonie du thé, comme au Ginkakuji à Kyoto. Il y a cette pièce Dojinsai et ça a été fait sur le même modèle. Sous bien des aspects, cette pièce a été construite de la même façon, sauf ici. Au véritable Ginkakuji, on regarde vers l'extérieur un jardin. Ici, comme c'est un mur, on l'a décoré avec des pierres. Cela donne une atmosphère très intéressante, moderne. Cette calligraphie, elle semble plutôt compliquée. De nos jours, on ne peut plus vraiment lire ce genre de choses. C'est un vers d'un très vieux poème chinois, écrit par un moine japonais. C'est une calligraphie. Il semble qu'il soit écrit « Un nuage blanc embrasse un grand roc ». Une sorte d'ermite va dans la montagne et, en regardant au loin, comme il se trouve sur le haut de la montagne, il peut voir les nuages blancs en contrebas. C'est ce qui semble être écrit. Je voudrais vous montrer encore une autre pièce. Par ici, s'il vous plaît. Entrez, s'il vous plaît. Ici, le design est très intéressant. C'est comme dans une maison hantée. Ma maison n'est ni classique ni moderne. Beaucoup de choses sont mélangées. Je pense que c'est parce que petit à petit, j'ai accumulé des objets auxquels je me suis attachée. En fait, si quelqu'un me demande quelle est ma couleur préférée, je ne peux pas répondre. C'est parce que pour un même rouge, si la couleur voisine est différente, le rouge ne sera pas perçu de la même façon. Donc ce que j'aime, c'est les combinaisons de couleurs. En fait, je ne tiens pas à un style en particulier.
Si je place un objet à côté d'un autre et que je ne le sens pas, je les sépare. Je place les objets en fonction de ce que je ressens. Je pense que c'est comme ça que je conçois mon intérieur. Bonjour, je vous en prie, bienvenue. Je m'appelle Hasegawa Shuichi, j'ai 37 ans et je dirige une agence de publicité. Ici, on est au 38e étage, à environ 130 mètres de hauteur. Au début, quand j'ai acheté cet appartement, il y avait une toute autre répartition des pièces. En ouvrant la porte, je voulais voir tout de suite le paysage. C'est un effet de surprise. C'est comme une sorte de divertissement. Au moment où on ouvre la porte, waouh, comme c'est joli! C'est cet effet que je voulais créer avec cet espace. La vue de nuit est spectaculaire. Les couchers de soleil sont beaux, donc on a tout repeint en noir pour mieux profiter de la vue le soir. Ici, c'est la salle principale de cet appartement, le salon. Ici, c'est la salle à manger. Les meubles ont tous été conçus par l'architecte de cet intérieur, Gwenaël Nicolas. Il a tout fait. Cette chaise, par exemple, c'est son design. Dans le salon, il y avait plein de murs. J'ai tout fait ouvrir. J'ai obtenu cet espace unique. Par contre, comme les murs ont disparu, les zones sont définies par les matériaux au sol. Pour l'espace du salon, on a mis de la moquette. Pour la cuisine, du carrelage blanc. Pour la salle à manger, c'est du carrelage marron. L'entrée, on a mis du calcaire. Ainsi, l'espace est découpé grâce aux différentes textures du sol. Ici, c'est la cuisine. Là aussi, c'est sa création. Tout est un design original. Ça, c'est une cuisinière de fabrication japonaise. C'est une cuisine faite en coréen. J'aime beaucoup les styles très simples, dans la mesure du possible. Il en est ainsi pour les choses qui sont ici, mais je souhaitais quelque chose de simple. Par exemple, si vous regardez dans la cuisine, vous comprendrez. Il n'y a rien qui dépasse, tout est plat. Ce canapé est également une particularité de cet appartement. Il est très grand. C'est une création originale. Il a été créé en fonction de l'appartement. C'est assez pointu, mais ça a été fait en apportant beaucoup d'attention aux détails. Ici, c'est en pensant pouvoir faire des réceptions avec beaucoup de gens que j'ai fait faire cette forme. En fait, le canapé est aussi une création de Gwenaël Nicolas. Parce que j'ai cet espace, beaucoup de gens viennent. On fait des repas dans la cuisine, on organise des grandes fêtes. Je souhaitais une maison où je puisse rassembler beaucoup de gens. Des petites fêtes avec 4 ou 5 personnes, ou même des grandes fêtes avec une quinzaine ou vingtaine de personnes. Ici, c'est la chambre d'enfant. C'est ici que joue notre enfant. C'est encore un bébé, donc c'est comme ça. Mais il grandira et je pense qu'on y mettra un lit.
Au rez-de-chaussée, c'est le salon et la chambre d'enfant, c'est l'espace public. Le second, c'est l'espace privé. Voici la chambre principale. Quand nous avons des invités, on baisse le store. Quand nous sommes seuls, nous le relevons. La ligne de ce mur blanc va jusqu'au bout. Au sol, c'est la ligne marron qui continue. En concordance avec cette ligne marron, il y a cette pierre marron. Cette largeur correspond avec cette ligne. Le contraste entre ce blanc et ce marron a été étudié pour que cela donne une bonne impression. Le matin, quand on ouvre les yeux, on peut voir la superbe vue dehors. J'en suis très content. Un tel design, c'est vraiment très joli le matin. Cette maison n'est pas encore finie. À partir de maintenant, on va la compléter au fur et à mesure. Il y a plein de choses que je veux faire dans cette maison. Bien sûr, je veux mettre des peintures dans cet espace. En fait, c'est caché pour le moment, mais M. Nicolas va installer un rail pour faire pendre un rideau d'en haut. On va également acheter des chaises pour utiliser le comptoir de la cuisine. Il n'y en a pas pour le moment. C'est ce genre de choses qu'il nous reste à faire. Je pense qu'on va remplir cette maison peu à peu. Il n'y a pas encore de verdure aussi. C'est un appartement qui était très coté. J'ai fait le contrat il y a 3 ans. Ça ne fait donc que 4 mois environ que j'habite ici. C'est encore un appartement neuf. Ici, c'est la douche. C'est une porte coulissante. Par ici, il y a une baignoire et une douche. Ici, c'est comme un petit coin boudoir. Le lavabo, c'est également une création originale de M. Nicolas. Là aussi, comme dans la cuisine, c'est fait en corian. Et voilà le jacuzzi. C'est un penthouse. On peut voir le ciel. Même la journée, c'est beau. Là où il y a les lumières, c'est Odaiba. À la droite d'Odaiba, c'est l'aéroport de Haneda. À partir de là, il y a Odaiba, puis sur la gauche, le Rainbow Bridge, et puis la baie de Tokyo. D'ici, on peut voir le trafic. Il y a les voitures, les camions, et aussi le Shinkansen, le TGV. Il y a des navettes fluviales, il y a même des avions qui passent. On voit tous les types de transports. Mais on peut voir surtout tout Tokyo. C'est la particularité d'ici, et aussi la plus grande satisfaction. La grande particularité de cet appartement, c'est que du sol jusqu'au plafond, tout est en verre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Au Japon, comme il y a souvent des tremblements de terre, les appartements ont d'habitude des poutres en façade. Mais ici, il n'y en a pas. C'est pour ça que la vue est large et belle. Comme c'est une structure récente, les poutres se croisent dans les murs. C'est donc pour ça qu'il n'y a rien et que du sol jusqu'au plafond, il y a du verre. C'est une particularité ici. C'est un immeuble très rare à Tokyo. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y a eu un tremblement de terre. Tout le monde a dit que ça avait tremblé, mais ici, ça n'a pas bougé. Tout le monde est surpris quand je dis ça, mais ça ne bouge vraiment pas. Les grands immeubles tremblent, n'est-ce pas? Mais ici, ce n'est pas ce genre de structure. Que ce soit en bas ou en haut, ça bouge de la même façon. Ça bouge lentement. Donc on ne ressent presque pas le tremblement. C'est un immeuble très rare. Même l'eau dans un verre ne bouge pas.
Je suis Morita Yasumichi. Mon métier est décorateur d'intérieur. J'ai 4 lieux à recommander à Tokyo. Pour commencer, un est à Roppongi. C'est le Oak Door, un café qui se trouve dans l'hôtel Le Grand Hyatt. Ils sont ouverts sans interruption du matin au soir. Bien que ce soit en plein Tokyo, on peut voir le ciel. C'est un café très agréable. C'est une sorte de all-day dining. Tonichi est le designer de ce lieu. Ensuite, il y a le quartier de Kappabashi. Pour les ustensiles de cuisine. Ils vendent plein de matériel pour la cuisine. Ils vendent toutes sortes de choses comme vous n'en avez jamais vu. Et on se demande à quoi ça peut bien servir. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à acheter pour les gens qui viennent de l'étranger. Et puis, il se peut qu'il y ait des gens qui s'en servent pour la décoration. Ensuite, un bar à Roppongi qui s'appelle le Dropkick. C'est un shot bar habituel, mais on ne paye pas à l'entrée. On paye juste pour les consommations. Alors c'est très raisonnable. Et ils ont de la très bonne musique. Le signe distinctif du Dropkick, c'est une boule miroir de 90 cm qui tourne à l'entrée. C'est un bar très apprécié par les Occidentaux, les Américains, les Australiens. Un autre lieu, c'est celui de quelqu'un avec qui j'ai travaillé, Joël Robuchon, qui est également célèbre en France. C'est le Château. Au rez-de-chaussée, il y a la table où Joël Robuchon sert sa cuisine. Et puis au premier, c'est le Château Joël Robuchon, qui est un restaurant de qualité supérieure. Ensuite, il y a le Rouge Bar. Ces trois parties sont très charmantes. Et je pense que les Français qui vivent au Japon peuvent aller là-bas quand la France leur manque. Et en particulier au Rouge Bar, on peut juste s'asseoir, boire un verre. C'est sûrement un endroit où les Français se sentent comme chez eux. Allez-y sans faute.
Paris.